Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je voudrais discuter le jeu Tears of the Kingdom, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. L'arme du royaume. Les larmes du royaume. Ok, j'ai aussi créé une vidéo en anglais avec ce sujet. Ma première expérience avec Zelda. Je déjà connaissais l'histoire de jeu, mais cette jeu L'âme des royaumes, ma première temps avec le jeu, like first hand experience, première expérience, Souffle de la nature, oh yeah, Breath of the Wild en anglais. It was an amazing game when it came out. C'était un jeu incroyable quand il est sorti. C'est open world, grand world, monde. It was a huge open world and very unique. C'était un monde ouvert immense et très unique. Très unique. Mais j'ai jamais joué ce jeu. Mais c'est bien. Many people did. Tout le monde. Jouer cet jeu. Ah, it felt like. Et la mécanique est très très cool. Et dans les larmes de royaume, la mécanique de abilities, capacités, c'est très amusant. Très très amusant. J'adore le capacité. Ultra Hand. Fuse, Ascend. J'ai oublié le nom en français pour. Ah, tu. Ultramane. I know, je sais, pas là. Ascension. Très cool. L'homme du royaume utilisait la même carte de le monde. Il comprenait the sky, le ciel. It included the sky. Everyone expected the Sky Islands to be more incredible. Tout le monde attendait à ce que les îles célestes soient encore plus incroyables. But we sadly didn't get that many of them, and they weren't that diverse. Mais nous n'en avons malheureusement pas beaucoup, et ils n'étaient pas si diversifiés. Le même île dans le ciel. L'île principale du ciel était la meilleure. Très meilleure. C'est meilleur. What did you think about the sky map? Qu'as-tu pensé de la carte du ciel? Comme le nombre d'îles dans le ciel. C'est un mal nombreux. C'est trop peu. Je ne sais pas. Mais, the game had another big area, though. Le jeu avait une autre grande zone, cependant. It was the depths. C'était les profondeurs. It covered the entire map. Il couvrait toutes les cartes. But everything down there looks the same. Mais tout le bas se ressemble comme le landscape, paysage, mal scénario. No. What do you think? Qu'en penses-tu? Aussi, le caractère, le personnage, très cool, très amusant. J'adore le caractère. Bien que je n'ai pas été capable d'uploader le playthrough rempli en français ici, le temps passé avec ce jeu était très mémorable. Le temps passé avec ce jeu était très mémorable et valait la peine. Je me souviens qu'on m'a expliqué comment version nord-américaine utilisait le français de Québec et qu'un certain mot avait donc été changé
comme la lutte un peu de profondeur. J'ai trouvé ça vraiment cool d'être conscient des différences et de voir un français différent aussi. Ouais? Merci de me rappeler d'autres différences et je suis très curieuse. Aussi, mon game over screen, cool. Et quand on joue un jeu dans une autre langue, c'est une joie de voir les différents mots et noms utilisés pour les critères. Et les critères et le personnage de l'univers. Et on m'a aussi fait remarquer que le mot pour Rito et Piaf, qui, je pense, est un autre terme générique pour oiseau, ces petits titres rendent l'expérience tellement amusante. Yeah! J'ai pris du plaisir avec ces jeux. J'espère que vous avez apprécié le contenu et si tu as le jeu que ton apprécié également. Ok. Faites-moi part de vos impressions. Ton impression. Merci de m'avoir écouté et merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai apprécié. Merci encore et salut. Salut!